Salut tout le monde, c'est Kiba et Milou et on se retrouve aujourd'hui sur le JCC Online de Pokémon pour pouvoir faire une petite ouverture. Confinement fait qu'on peut pas acheter de trucs de cartes, donc on a pensé faire une ouverture sur le JCC. On a eu plus d'une centaine de codes par un ami de Kiba. Donc s'il passe par là... À Pierre, hein, si tu passes par là, merci encore. Hein. Merci encore à toi. Et on a pensé, du coup, faire une petite ouverture pour vous faire profiter et en espérant qu'on a un bon tirage. C'est ça, donc on va vous montrer de par cette vidéo comment ça se passe sur le JCCO. Et donc ça fera une petite vidéo d'introduction pour vous dire après les decks, on pourra vous montrer l'interface, voilà, si ça peut vous plaire. Et si ça peut vous intéresser, qu'on fasse quelques vidéos, même quelques matchs par exemple sur le JCCO. Qu'on vous montre comment ça marche. Voilà. On se retrouve tout de suite. Du coup, on se retrouve directement sur le PC. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est l'interface où il y a les différents boosters. Donc là, on pensait faire du coup une petite ouverture donc, sur la voie du maître. Les légendes brillantes. Qu'on garde en bonus, on va se dire en ça. Bonus. Et donc avec Ténèbres Embrasées et Clash des Rebelles. Donc voilà. 25 de chaque et donc 50 EB 3.5. Allez, en espérant qu'il y ait quelque chose. Donc, vas-y, clique. Donc pour le premier booster, comme vous voyez, on a le booster qui apparaît. Il faut juste cliquer dessus pour qu'il s'ouvre. Et c'est parti, c'est plus rapide qu'un vrai booster. C'est ça. Ça, c'est sûr. Hein. Il n'y a pas les papiers qui traînent après l'ouverture. Donc là, bon, ça le fait pas, mais alors, donc là, vous voyez, donc l'énergie, alors hop, l'énergie en tout premier, donc après les 5 communes, les 3 peu communes ou dresseurs en bas, voilà. La reverse et donc l'ultra rare qui est toujours caché. Sachant que des fois, vous pouvez avoir deux cartes cachées, ça signifie que c'est donc soit dans certaines séries, c'est-à-dire que c'est une ultra rare aussi en avant-dernier, une prisme, comme dans Destiny Occult mais Shiny. Ou que c'est une rare reverse, voilà, ou une holo reverse. Allez, on part sur le premier. Sur le Trioxydre. Et hop, donc là vous pouvez faire soit terminer pour arrêter, soit un autre et vous enchaînez directement les boosters. Allez, on enchaîne. Alors bien entendu, quand c'est des nouveautés, ils mettent un ils mettent nouveau, news. Oui, on les a déjà pas mal ouverts, donc voilà. On les a tous. C'est ça, pour le moment, oui. Yes ah, un petit flag à dos de Galar V. Tu notes mon nom ouais, de... Je vais noter ça. Hop là. Hop. Ah, voilà, comme c'est ce qu'on vous disait. Donc là, chez Rose Tower en reverse, c'est une nouvelle. Donc du coup, elle a marqué le petit news. Et de deux une vie, une full art. Ça commence bien. Yes. Sachant que cette full art, on l'a eu dans le display. Si ouais. Vous n'avez pas vu la vidéo. On vous laisse aller la regarder ultérieurement. Yes! Bon, bah, je crois que je me suis plantée quand je disais qu'il n'y avait rien. Oui, et puis il y a des fois où bah, on en a ouvert un petit peu hier, elle a enchaîné 3 secrets d'affilée. Et puis moi, j'ai rien eu dans 15 boosters. C'est ça. C'est. Voilà. Bon, c'est aussi l'aléatoire. Mais voilà, ça fait plaisir d'ouvrir aussi là, et puis ça vous permet de les jouer. Parce que des fois, voilà, vous, si vous n'avez pas forcément toutes les cartes d'un deck, là, ça vous permet de jouer des decks qui vous plaît. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Il y a l'avant-dernière qui est retournée, donc ça veut dire que ça va être une rare reverse normalement. Voilà. Voilà, Brazegali en rare reverse et derrière un Sidereal. On pourra vous montrer tout ça plus en détail, mais c'est assez... Allez, doublon ! Et la suite, hein. Un doublon. Yes !
le double. Après, même en commentaire, si ça vous intéresse, si vous avez le JCCO, de faire des échanges, par exemple, il vous manque, je sais pas, une bêtise, le flagazos de Galar et couleur en double, il n'y a aucun souci contre un échange. Ça, c'est avec plaisir. Si vous avez besoin, on peut même faire des matchs s'il y en a qui jouent un petit peu, ou même ceux qui veulent, ceux qui découvrent et qui ont envie de jouer, pourquoi pas plus tard nous ajouter. Il n'y a pas de souci. Ouais, du canin. Bon, bah pour ma part, c'est terminé. Et donc, on est donc avec Milou 6V, 2 doubles, une full art et une gold. Ça va être très dur à dépasser. Mais non, on va passer sur Clash des Rebelles. Donc voilà, comme tout à l'heure. La petite ouverture et on enchaîne en espérant de l'ultra. On va aller un petit peu plus vite. Je parce que noter. Comment t'as fait ton affaire du coup? Juste noter. Et une VMAX. Ah bah carrément lui Allez on commence hein. Allez, on perd pas de temps. Qu'on avait déjà. On vous laisse lire l'effet des fois voilà, pour une carte supporter. Donc juste pour information, une carte supporter c'est une carte qu'on peut utiliser qu'une fois par tour. Donc vous pouvez jouer cette carte si vous défaussez deux autres cartes de votre main, votre adversaire dévoile sa main, placez une carte dresseur que vous y trouvez dans son deck. Petit lance-orien V. Petit boîte à pic. Arcana en nouveau et une Rainbow Percy. Percy qui dit que défaussez jusqu'à deux cartes de votre main, puis piochez deux cartes pour chaque carte défaussée de cette façon. Donc ça permet facilement de refaire sa main si on est un peu pris au piège. Une V Gorithmique. Deuxième de Max, les armes sont à plus de Max. C'est une énergie ta gold, elle vaut rien. Yo, c'est une gold. C'est pas terrible, hein, une gold. Hein. C'est une gold énergie, c'est même pas une gold dresseur. Mais ça va, Et du Ralugon, je commence. Vas-y. On va en faire 10 chacun. Ça te va? Si tu veux. On vous mettra un petit accéléré comme ça, vous n'aurez pas. On vous mettra les plus sympas. Hop. Oh, sympa! Une V Full Art qu'on n'avait pas. La carte sympa. De voir. Dans la ouverture d'hier, quand on en a ouvert une cinquantaine de volumètres aussi, et on a eu Gardevoir V Max, Gardevoir V.
moi. Et bah une foulard, c'est pas beaucoup. Silence solo, sort silence reverse. Mm-hmm. Attends, qui aime bien ce Pokémon, t'es ouais, contente? Non, moi je l'aime bien celui-là. Une foulard contre une énergie, hein, voilà. Youhou. Il y a un mauvais karma, je m'en vais. Et je reviens. C'était le karma, il était pas bon. Yo. Je lui donne mon karma. Non mais sérieux! Pensez à toi, Berg. Pour la petite Florizarre. Une autre V, un petit Willard, Willard qu'on voit assez rarement en ultra rare. Et une petite garde Willard VMAX qu'on a en double. Hein. On préfère pas prendre de risques. Voilà. Gardevoir, c'est bon là. Voilà, dans la même ouverture, pour moi, Gardevoir V, V Full Art, V Max. Non, je te laisse que là. Yes! Krakos en full art. Une vie. Oh! Une petite Rembo. Ça remonte, mais est-ce que ça va suffire? Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Kabu. Mais est-ce que ça va suffire? Telle est la question. Allez, une deuxième. Le petit Wailord. Plaisir. Ah, mes oreilles! Oui! Ah, cette gold. Cette gold qui tombe beaucoup en vrai. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui la chopent. Yeah. Oh. Deuxième énergie holo, elle remonte hein. Je fanfare un chou. Oh. Trop contente. Je fanfare un, mais là elle m'est passée devant. Hein. Alors, elle a rien de beau et puis la petite gosse. La gueule, là elle tombe bien mise. Et là t'en as que 5. Hein. Ah bon? Oh. Non, c'est 10 chacun. Non. Non, mais t'inquiète pas, ça me suffira. Facile. Oh, Lucario! Une petite vie supplémentaire. On prend mon taf maintenant? Bon, je prends ta place pour les boosters. Ouais. Une petite vieille. Une petite recherche professorale. Ouais, non, mais. En plus, c'est des rééditions pour la plupart, ouais. Donc. C'est vrai que voilà. Bah, c'est bon, mamie. Et dernier booster pour ma part. Ah, ça va être dur. Et là. Allez, la shiny. Oui, bon, faut pas exagérer. Hein. On l'a bien eu sur Destiny Occupe. Ça vaut coûte je sais pas combien de boosters. Hein. Elle me suit.
c'est Milou qui a gagné et qui va ouvrir les légendes brillantes. Légendes brillantes qu'on a très 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 peu ouvert. En vrai, jamais ouvert, hein, pratiquement. Ouais, pratiquement. Sont en vrai ou un petit peu ici, parce qu'on a eu des boosters à la pierre, hein, qui nous en a donné quelques-uns. Donc c'est comme les autres séries, c'est... vous voyez, hop, remets. Il n'y a que 73 communes, peu communes rares, comme sur la Voix du Maître. Et toutes les rares seront des holos. Donc c'est vrai que voilà, on tombe très vite sur les mêmes... Des petites nouvelles, oui. Ah, la voir, quand on l'avait pas. Oh, Raikou, sympa. Raikou en holo, et on espère une petite ultra, elle sait être compliquée. Compliqué. Ouh, Latios en reverse et... Oui, Mew brillant. C'est un peu le top ultra de légendes brillantes. Vous avez les GX et vous avez donc les cartes dites brillantes. Waouh, en gros, bah, Mew Shiny, hein, littéralement. Oui, c'est ça. Mew, c'est les anciens Shiny. On n'a pas eu Dracaufeu Shiny, mais on a Mew Shiny. On termine très bien cette petite ouverture. Ah, ça fait grand plaisir. Bon. Sur ce, on espère que le concept vous a plu. Ça change un peu. On voulait faire une petite vidéo comme ça, chill, avec des boosters sur le JCC. Donc, si jamais vous jouez au JCC, que vous avez envie de faire des échanges, des combats, n'hésitez pas à nous inviter en ami. On va vous mettre notre pseudo dans la description. Et il n'y a pas de souci, on pourra se prévoir ça. Même si c'est un petit duel. Si on est connecté, que vous. Oui, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à nous demander. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À commenter. Pour nous dire si ça vous a plu. Et sur ce, c'était Kiba et Milou. Et on se dit à la prochaine. Salut, salut.